L'astrocycle. Chaque soir, en se couchant, Michel dévore des yeux son poster favori. Il est vraiment terrible, cet astrocycle. Un sacré engin, ce vélo du futur. Et chaque soir, il s'endort en le regardant. Cette nuit-là, comme d'habitude, Michel contemple l'astrocycle. Quand soudain, il entend un bruit étrange. Le poster semble bouger. Et vroom ! Tout à coup, l'engin s'élance hors du papier. Il se pose sur le sol, tout près de Michel. Michel, stupéfait, en tombe de son lit. Son astrocycle est devant lui, avec sa conductrice en chair et en os, revêtue d'une combinaison spatiale. Qui êtes-vous ? Je suis Tina, le pilote de l'espace. Allez, monte, viens faire un tour. Sans faire de bruit, Michel aide Tina à porter l'astrocycle dans le jardin. « Papa et maman en feraient une tête s'ils me voyaient !» dit Michel. Une fois dehors, Tina enfourche sa machine et démarre en trombe. « Regarde ces acrobaties ! Génial mon engin spatial ! Hein, Michel ?» Michel est impatient d'enfourcher l'astrocycle. À peine Tina a-t-elle posé pied à terre qu'il saute sur la machine. Il s'apprête à démarrer, mais soudain il s'écrie « Mais je ne peux pas partir ! Je n'ai pas de casque !» Tina se met alors à rire en le montrant du doigt. « Mais tire l'œil sur la tête !» Il est si léger que Michel ne l'avait même pas remarqué. Il s'aperçoit d'ailleurs qu'il porte, comme un véritable astronaute, une combinaison spatiale. Il porte même des bottes et des gants. Il démarre alors en trombe. D'abord, il zigzague dans tous les sens, mais vite, il trouve son équilibre. « C'est fatigant de pédaler, soupire Michel. Si seulement ton vélo avait un moteur... » « Oh, mais il y en a un ! Il suffit de presser ce bouton rouge. Mais non, attention, n'y touche pas ! Trop tard. » Dès que Michel a mis le doigt sur ce bouton, le moteur vrombit. L'astrocycle s'élance en pétaradant. « Appuie sur le frein !» hurle Tina. « Où est-il ? » crie Michel. Avant que Tina ait eu le temps de répondre, l'astrocycle s'élance dans un éclair jaune et rouge et sort du jardin. « La voiture de papa !» s'écrie Michel. Bing ! La roue de l'astrocycle a heurté l'arrière de la voiture. Le choc est si violent qu'il fait s'envoler la machine. Voilà Michel propulsé dans les airs. Tina crie, mais Michel s'envole à toute allure dans l'espace.